Et nous en sommes donc maintenant à la période de questions et réponses orales des députés. Le gouvernement du Québec fait tous les efforts nécessaires et va continuer, va poursuivre dans cette veine-là, à faire tous les efforts nécessaires pour que nous puissions enrayer la corruption et la collusion là où il y en a, que ce soit dans la construction ou ailleurs au Québec. Nous, on veut que les gens soient amenés devant les tribunaux. Et si quelqu'un fait un acte criminel, il pose un geste de collusion ou de corruption, nous voulons que cette personne-là soit redevable de ses actes devant les tribunaux, qu'elle soit accusée et qu'elle rende compte et qu'au besoin, il soit mis en prison, s'il faut aller jusque-là, M. le Président. Et qu'elle rende compte et qu'au besoin, il soit mis en prison, s'il faut aller jusque-là, M. le Président.